51 emplacements de camping à quelques pas de la plage. Alors, bonjour tout le monde. Allô. Nous sommes maintenant rendus au Sebastian Inlet State Park. Eh oui, on est rendu. Et je peux vous dire que l'on a encore gagné à la loterie. Ah oui, pour ça, oui. Pourquoi? Parce qu'on a le plus beau site de ce terrain de camping-là. Regardez la vue que l'on a à chaque matin quand on ouvre les yeux. C'est parce qu'il n'y a pas d'arbres. Les arbres, ça bloque la vue des lacs. Donc, à longueur de journée, on voit des dauphins, on voit des poissons sauter, on voit des embarcations, on voit des pélicans qui plongent tête première chercher leur proie. Et le soir, on a ce fameux coucher de soleil. Oui. C'est le numéro 9. On garde ça secret, faut pas le dire. Hein, Gilles? Bon, tu l'as dit. Il a fallu que tu le dises. Donc, tout ça pour vous dire que c'est encore un voyage extraordinaire que l'on vit. On est ici pour 2 semaines. 2 semaines. Donc, pour la suite, regardez les vidéos. Eh oui. Bye. À tantôt. Sebastian Inlet et les eaux environnantes offrent une pêche fantastique en Floride pour les pêcheurs de plage, de rivières et de criques. Des captures impressionnantes sont souvent réalisées à partir des 2 jetées qui s'étendent dans l'océan Atlantique. Un vrai paradis pour les mordus de la pêche. Le parc abrite une grande variété d'oiseaux. Les visiteurs ont la chance de voir plus de 180 espèces d'oiseaux au cours d'une année. Alors, bonjour tout le monde. Notre petit truc de la semaine. Un petit truc qui est bien simple, mais qui est fort pratique. Dans les state parks en Floride, l'eau est potable partout. Elle est potable, oui, mais il y a toujours un petit goût de souffle là, qui est désagréable lorsqu'on fait notre épicerie. Et l'épicerie, on l'a fait dans les Publix. Les Publix, c'est une chaîne d'épicerie qu'il y a en Floride. Il y en a partout. Et on a découvert que dans chaque Publix aussi, à l'entrée de l'épicerie, il y a une machine que l'on peut remplir nos gallons vides. Nos gallons de plastique vide. On a un beau 5 gallons comme ça, Coleman, qu'on traîne partout où l'on va. Et cette fameuse machine à eau-là, ben, on peut remplir ça. On remplit ça pour 1,75 $. Puis la beauté de la chose aussi, c'est qu'on peut payer par carte de crédit. Très pratique. Et en plus, ça fait beaucoup moins de plastique sur cette planète. Ici, dans les State Parks en Floride, tous ceux que tu rencontres te disent salut ou t'envoient la main. C'est vraiment pas évident pour nous, les Québécois. On n'est vraiment pas habitués à ça. Mais on s'y habitue assez vite. Puis moi, ben, ça fait 14 jours que je suis ici. Donc, tout le monde me connaît. Double cheeseburger avec bacon et des frites. Première fois au restaurant? Première fois. Ici, ce qui est le fun, c'est que les tables sont distancées. Tranquille en plus. C'est pour ça qu'on n'y va pas dans les restaurants.
Prochaine destination, Jonathan Dickinson State Park. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Bye bye!